Yo les gars, joyeux Noël d'abord à tout le monde et nous sommes sur le 9e jeu offert d'Epic Games, c'est Darkest Dungeon. Alors ça tombe bien parce que ce jeu en fait je l'avais déjà, j'ai déjà même une sauvegarde mais on va recommencer pour bien vous montrer. Alors moi c'est un jeu que j'ai, donc je l'ai sur Steam, mais comme je sais déjà le jeu qui va sortir, j'ai pu faire la vidéo à l'avance. Déjà on va faire en facile parce que c'est un jeu très compliqué, si on s'investit pas dedans en fait on comprend rien du tout parce qu'il y a beaucoup de mécaniques. Alors là, on vient d'arriver. De toute façon, je vais vous expliquer, ça sera plus simple. Donc là, on avance. On avance. On voit, vous voyez, ça c'est la minimap, on voit qu'il y a deux pièces. Donc là, ça c'est facile, là je suis dans la première, là où il y a la torche, c'est là où je suis. Et on va passer dans la pièce suivante. Voilà, bon là c'est le tuto, il vous explique et tout comment on fait. Et là, normalement, on va se faire attaquer. Voilà. Donc là, combat commence. Donc là, on va faire l'attaque, première attaque, let's go. Là, il se prend un petit saignement. Ah, il a une résistance au saignement. Là, c'est nous qui nous faisons attaquer 4 points de dégâts. Et en dessous de la barre de vie, vous voyez qu'il y a une barre de stress. Donc là, c'est le tuto, donc il n'y a pas de problème. Mais le problème que moi, je trouve... Enfin, c'est pas le problème, mais c'est une mécanique du jeu très importante. C'est qu'en fait, là, c'est un donjon avec 2 pièces. Quand vous allez arriver dans des donjons avec 10 pièces, le stress va augmenter et les attaques des ennemis font du stress. Ça va monter le stress quand la jauge est au maximum. Il y a deux solutions, soit le héros devient fou, soit il résiste. Et s'il résiste, il revient normalement avec ses caractéristiques, mais il va perdre un peu de stress, ce qui pourra tout moment revenir au max. S'il perd, le problème c'est que là il devient fou, il commence à dire n'importe quoi, il frappe sur ses alliés, il décourage tout le monde, par exemple il va dire « on sortira jamais d'ici vivant ». Et tous les alliés ils vont monter le niveau de stress. Donc c'est très compliqué ça à gérer je trouve. Mais voilà, il faut bien s'investir dans ce jeu pour comprendre. Alors on va faire l'attaque directement. Voilà, petite attaque de mêlée. Let's go. Et ça one shot. Alors ici il y a une tente, donc je peux récupérer. J'ai le choix, oui ou non. Sachant que dans beaucoup de cas, plus tard dans le jeu, la plupart des trucs que vous allez ramasser... Voilà, là c'est des trucs précieux, donc ça va. Ça va vous augmenter votre stress. Donc c'est vraiment... Le stress c'est la mécanique principale du jeu. Et en haut, il y a une torche aussi, vous voyez. Je dois cliquer pour l'allumer. Si elle descend trop, on est en stress encore. Donc là, on va attaquer, c'est parti. Hop. Donc ça, c'est un tir de pistolet et ça, c'est une attaque. Donc lui, comme c'est un gros, en fait, il prend deux places. Donc je pourrais pas attaquer le mec qui est à l'arrière, malheureusement. Donc on va faire juste une attaque simple. Et là, on se fait tirer dessus, on esquive. Et ça, c'est un sort, vous voyez, qui attaque deux personnes. Donc, on va utiliser celui-là. Fervente accusation. Ah, mais lui, comme il tient deux places, ça va toucher qu'une personne. Donc, c'est pas ouf. Ça fait les mêmes dégâts, mais on va le garder. Là, il a enseignement. On voit qu'il a enseignement. En plus, il a un debuff de résistance pendant 3 tours. Et moins 1 vitesse pendant 3 tours. Donc, il va attaquer très lentement. Et on rate l'attaque, malheureusement. Et là, le saignement, vous l'avez vu, ça fait un petit tic, là, au début de son tour, hop, il a pris des dégâts. Et là, on peut changer de place, vous voyez, on peut utiliser pour reprendre la position initiale. Le problème, c'est que ça passe sur notre tour. Donc là, on a esquivé, tant mieux. Là, ce sort, il marche toujours pas. Et coup étourdissant, ça peut être pas mal, si ça passe. Voilà, là, il est étourdi. Ça fait que, voilà, là, c'était son tour. Il a pris son saignement, l'étourdissement est passé, mais il peut pas attaquer parce qu'il est étourdi. Et un tir au pistolet, 85 de dégâts. On va tester ça. Ah, on peut tirer le mec à l'arrière. Ça fait combien de dégâts? 85. Et lui, il a 12 PV. Non, c'est pas 85 dégâts, je me trompe. C'est 5 de dégâts, oulala. Lui, il faudrait vite le tuer, le gros, là. Hop là. Là, il a pris un gros coup. Il a saigné. Et il nous met un petit coup de gun. Et le mec, il est passé derrière. On est repassé derrière. Et là, on se refait tirer dessus. Mais ça va passer là, vous inquiétez pas, là c'est la dernière salle donc il n'y a pas de problème. Hop, attaque, plus saignement. Voilà. Ah il a pas pris, il a résisté je crois. Et là on le finit là, hein. Gentiment on va le finir. Voilà, coup fatal. Voilà, aussi il y a la mécanique des cadavres, c'est à dire que là il y a un cadavre. Et je pourrais pas attaquer le mec de derrière tant que j'ai pas tué le cadavre. Heureusement il a beaucoup moins d'HP le cadavre. Et il peut quand même saigner. Allez, on le finit vite fait. Là, il est mort. Et on va pouvoir se défouler sur le petit qui se cache derrière. Et qui se fait massacrer. Bon, là, on a des récompenses, antidotes, etc. Aussi, il va falloir
acheter à manger, acheter à boire, acheter des feux de camp pour se reposer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Si c'est des jeux qui vous plaisent, faites. Alors là, je peux continuer. Mais j'ai terminé l'objectif et j'ai fait les deux pièces. Donc ça sert à rien de continuer. On peut continuer s'il y a des pièces qu'on n'a pas terminées. Mais là, ça sert à rien. Donc on va retourner au hameau. Let's go. Et là, voilà. Là, il a eu un bonus. Bonus ou malus. Mais là, comme ça brille en jaune, je pense que c'est un bonus. Ah, alors, voilà. J'ai pris un malus, un bonus. Tendance à voler des objets. Alors ça, je pense que si on achète des objets dans l'inventaire, il risque de les voler. Vous voyez, il risque de disparaître. Et ça, moins 20 de stress dans les tanières. Donc, ensuite, vos héros, voilà, ils vont avoir plein de passifs. Donc, ils vont être utiles dans certaines situations. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce jeu. Si on fait trop d'erreurs, c'est... Premier donjon, deuxième donjon, c'est mort même en difficulté facile, les gars. C'est vraiment pas... Faut vraiment y aller. Faut être chaud dans les jeux comme ça. Faut bien s'investir, faut bien connaître. Et faut vraiment que ça vous plaise, sinon... Si c'est pour vous amuser, vous allez être frustré comme jamais. Alors là, je viens d'arriver à la ville. Vous voyez, il y a la diligence. La diligence, je peux acheter des nouveaux héros. Voilà, faites glisser. Attendez, je l'ai fait glisser. Et ça, on va les faire glisser ici, voilà, sur la droite. Donc, on va faire une autre mission. Let's go. Donc là, pour l'autre mission, en faisant clic droit, on peut voir les meilleures positions. Vous voyez, le meilleur placement de ce personnage. Donc, c'est les trois arrières. Et celui-là, pareil. Ah, il est mieux à l'avant-dernière, celui-là. Donc, on va mettre... Elle à l'arrière, lui à l'avant-dernier. Et eux, bon, ils sont bien placés. Hein. Ils sont bien placés. Là, on voit les cibles qui peuvent attaquer. On achète la nourriture, on achète des bandages, on achète des torches. Et je pense que c'est bon, let's go. Bon, là, ils disent que j'ai pas beaucoup de nourriture. Bon, on va rajouter. Donc là, on commence le vrai donjon. C'est là qu'on va commencer à stresser. Alors déjà, regardez, il y en a qui sont en stress. 20 de stress. 20 sur 200, on est déjà 10% de stress pour les deux arrières. À mon avis, n'aime pas la pression. Donc là, j'ai fait le bout de la salle. J'ai juste à cliquer dans la minimap pour accéder à la suivante. Vous voyez, il a pris 2 de stress. Hop, cadeau. Ici, il y a une torche. Ok. Il n'y a pas de piège. Parfait. On continue. Porte. Et là, on arrive dans une pièce. Voilà, on se fait attaquer direct. Donc là, c'est des petits squelettes. Donc là, on va utiliser la petite attaque là qui fait une attaque de zone. On tape sur les deux. Lui, explosion toxique. Ou sinon, il peut faire une attaque de mêlée. On va tuer le mec à l'arrière. Hop là. Tant qu'on peut attaquer à l'arrière, faut attaquer à l'arrière. Parce qu'en général, les faibles, ils sont à l'arrière. Bon, là, c'était deux les mêmes. Le problème, c'est que si on tue le premier, il va y avoir le cadavre. Et si quelqu'un attaque seulement la première créature, il pourra pas attaquer la deuxième. Donc là, c'était une bonne stratégie. Et là, on va ouvrir le coffre. Attention. Bon, là, il n'est pas piégé. Alors, bon, ça, en général, c'est des trucs piégés, vous voyez. Il y a des gravats. Moi, je ne les ramasserai pas, mais comme je suis avec vous, je vais vous montrer. Hop. Oh là là. Bon, là, il y a un souci, regardez. Elle a pris 22 de stress direct. Tout le monde a pris un stress. Le problème, c'est que s'il y en a un qui l'a, il va être contagieux. Et même les ennemis, vous voyez le petit squelette là à droite, il peut tirer un sort en fait qui va stresser encore plus. Donc ça c'est le bordel. Infection. Il y a celui-là. Celui-là il touche deux personnes, donc on va lancer celui-là. Ah non, je pouvais l'utiliser. D'accord, non, je me suis trompé. J'avais le choix sur deux personnes, mais je l'ai fait que sur un seul. Alors ça c'est l'attaque qui touche tout le monde. Let's go. Ça c'est bien ça, lui il est bon lui. Lui il est utile. Alors là il a fait un sort, vous voyez 22 de stress il m'a donné. Donc là ça commence très mal. Lumière aveuglante. Ah et ça c'est du soin. Donc le soin pour l'instant on n'a pas besoin. Après il y a des sorts qui vous enlèvent un peu de stress mais... Alors là c'est un étourdissement, on va le faire sur lui pour pas qu'il stresse tout le monde. Donc là prochain tour il attaque pas. Lui il attaque le tank donc c'est bon. Lui il est très low. Donc lui, vous voyez, il est empoisonné. L'empoisonnement, il fait très mal. Ça sert plus à rien de l'attaquer. Parce que la prochaine fois qu'il va attaquer, il y a le poison qui va passer, il va mourir. Donc ça sert à rien. On va attaquer le deuxième. Le deuxième, il meurt. Et là, il faut focus le troisième. Donc il n'a pas attaqué, il était étourdi, je crois. Lui, il ne peut pas attaquer le troisième. On va casser le cadavre. Comme ça, on pourra attaquer. Voilà, il récupère sa place. Elle peut faire quoi? Elle peut tirer un petit truc, là? Ça fait quoi, ça?
un étourdissement aussi. Alors est-ce qu'il est passé? Là il est étourdi aussi, donc c'est bon. Lui. Ok, lui on va l'empoisonner. Et là normalement ça va passer. Lui il meurt avec le poison. Et le prochain tour, dès que ça va être son tour à lui, il va prendre cher aussi de poison. Mais bon, comme on a l'occasion d'attaquer, on attaque. Et on a réussi. On a notre récompense. Et, ah, et là vous voyez, j'ai plus de feu. Là le problème c'est que si j'arrive dans la pièce, on se fait attaquer. Faut toujours le faire avant de changer de pièce. Ouais, là j'ai rallumé les torches. Et nous allons dans la salle suivante. On va choisir celle-là. Let's go. Alors un sac de voyageurs. Ah. Ah, kleptomane. Ah non, en fait c'est ça kleptomane. C'est pas qu'il vole des objets. Ah, je vais garder ça pour moi, une récompense. Ah ouais. En fait, il est arrivé. En plus de voler les objets, on n'a pas le choix s'il va... si on prend l'objet ou si on le prend pas. Il prend directement. Donc si c'est une malédiction, on l'a un peu dans l'os, on va dire. Donc là, la torche elle a baissé, on va rallumer un petit coup. Et on se refait attaquer. Là, il y a un gros boss. Enfin, un boss, entre guillemets. Donc ça, j'ai vu que c'était pas mal l'infection. Là, elle fait beaucoup de dégâts. On va l'envoyer. Ah, il y en a une pour l'arrière, une pour l'avant. On va l'envoyer devant. Ah, il a... Ouh là là, il a résisté aux deux. Il a résisté. Lui, il a pris 15 de stress à une attaque. Et il a esquivé la deuxième. Alors, elle, on va stunner le mec du fond, là. Est-ce que ça passe? C'est bon, il est étourdi. Là, on va attaquer les trois d'un coup. Badabim, badaboum. Parfait. Là, voilà, là, c'est l'attaque qui fait deux... qui touche les deux personnes pour le tank. Donc, il montre un parchemin sacré. Il doit avoir écrit des choses très bizarres dessus. Là, on peut refaire l'attaque sur les trois. Ah, j'ai manqué. Dommage. Donc, lui, il a passé l'étourdissement, il n'attaque pas. Et avec elle, on va pouvoir réétourdir. On va voir si ça repasse. Et non, il a résisté. Alors, on va lui jeter le poison. Donc là, avec le poison, on est sûr. Enfin, sûr, je pense qu'il va mourir. Parce qu'il n'a pas beaucoup de vie. Le poison, ça fait beaucoup de dégâts. Et là, il prend la deuxième place et le poison, il est mort. Ok. Donc là, ça se passe bien. Et on prend le coffre. Et il n'y a pas de problème. Ah, là, on voit que sur la route, il y a un piège. Ah, parce que là, j'ai eu la détection de la map. Là, on voit que sur celle du bas, il y a un trésor. Et là, il y a un piège. Donc, on va retourner en bas. Alors, retourner en bas, en général, il n'y a pas de monstre. Le seul truc, c'est qu'on gaspille de la torche. Quand on revient sur nos pas, il n'y a plus qu'à prendre la salle qui se trouve sur la droite. Donc là, il y a un trésor. Ok. Donc voilà, là, il a utilisé son truc. Encore comme tout à l'heure, kleptomane. Je vais garder ça pour moi, une récompense durement gagnée. D'accord, d'accord. Donc il est kleptomane, vous voyez. Alors, avec tout, là, et là, c'est la deuxième mission, les gars. Imaginez, vous avez 2-3 persos avec des bonus bizarres, un qui stresse. Je vous dis que ça vire au cauchemar très rapidement, ce jeu. Très, très, très rapidement. Bon, là, c'est 3 mecs en ligne. Normalement, on a le DPS pour les allumer. Lui, il va se prendre un petit dot. Comme ceci. Vous voyez, là, il a eu mal. Hein. C'est passé à son tour direct. Là, on esquive. C'est parfait. Lui... il s'est pris un petit coup de surin. Et il va attaquer les trois d'un coup. Bim. Là, il y a l'archer qui est très low. Et là, je prends un critique. Oula. Vous voyez, là, j'ai pris un critique. Il y a des mecs qui ont pris un petit coup de stress. Donc là, je vais le soigner. Hop là. C'est pas des gros healers. Il a pris un critique de 12 et je le soigne à 4. Là, on va attaquer les deux, là. Avec le parchemin sacré. Et on peut attaquer ou faire un soin. Là, elle a une lumière aveuglante, étourdie. Ah, elle étourdit les trois ou un seul? Non, c'est un seul. Et là, il y a un soin de groupe. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Soin de groupe. Voilà. C'est pas des gros heals. Et là, par contre, on va pouvoir attaquer les trois en ligne. Donc là, on peut en tuer deux, là. Oula. On tue personne. Aïe, 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 aïe. Bon, infection, lui, il est infecté. Peut-être qu'on devrait infecter lui, je pense. Ah non, c'est toujours le même. Ça, c'est une attaque de saignement. Il peut attaquer le deuxième. Parfait. Il va le tuer. Et lui, il meurt pas. Il lui reste très peu de vie. 11 de critique. Aïe, 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 aïe. 14 de stress, elle a pris. Un 6 de dégâts.
Bon, là, c'est le livre encore. Celui-là, il est parfait, ce livre. Et il a manqué. Lui, il va mourir, donc faut attaquer lui. L'autre, il va mourir seul avec le poison. Bon, on peut l'attaquer, donc let's go. Et on récupère. Et là, il y a la fontaine sacrée. On va fouiller la fontaine, attention. Ah, revigorer le héros, formidable. Ah, il a même une... vous voyez, une baisse. Quand il y avait ce signe, c'est une baisse de stress. Donc ça, c'est bien. Et là, on va prendre une route où il y a un piège. Donc on est annoncé qu'il y a un piège. Donc voilà, le piège, il est là. Les pièges repérés à l'avance sont visibles au sol. Enfin, ouais, parce que je l'ai repéré à l'avance. Sinon, j'aurais pris masse dégâts. J'aurais pris du stress et compagnie. Approcher clic gauche avec un héros sur le piège permet d'essayer de le désarmer. Ok. Donc lui, il a la compétence de désarmer. Change de désarmer 90%. Les autres, ils sont un peu plus faibles, entre 60 et 50. Donc vas-y, désarmé, ok, réussi. Et il a gagné moins 8 de stress. Donc c'est génial. Allez, la salle suivante, let's go. Ah, et ça m'a découvert la suite. Et sur le chemin, il y a un petit coffre. Il est là, le petit coffre. Ah, lui aussi, il a eu... Il est kleptomane ? Je vais garder ça pour moi, une récompense durement gagnée. Alors là, on va faire la lampe torche. Je crois que ça, c'est ce qui nous a mis un peu dans le mal dans le combat précédent, là. L'effort de l'aventure a généré au sein du groupe une faim grandissante. Manger 4 de nourriture, regagner 5% de santé. Ne pas manger, subir 20% de dégâts du stress. Donc il faut manger. Let's go. Bon, on s'en sort pour l'instant. Bon, c'est le niveau. Hein. Vous allez me dire, vous avez vu déjà le niveau de stress que j'ai pris. Et là, j'ai terminé la quête. Formidable. Donc, on peut faire un retour ou continuer. Bon, on va continuer. De toute façon, il reste qu'une seule pièce. Je crois qu'il... Ah non, mais on a terminé complètement. Ah si, il reste une pièce. Let's go. Sur la route, il y a quoi? Sur la route, il y a un obstacle. Donc, qu'est-ce que c'est que cet obstacle? On prend du stress. Là, voilà. Ça, c'est les trucs qu'il ne faut pas prendre en général. Du dégât. 18, 18, 20, 20, 20, 20. De stress. Et la dernière pièce. Alors, la dernière pièce. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Voilà, 4 monstres. Ah oui, alors lui, je le connais. Lui, avec le verre dans la main là, et le petit bonnet, il te lance son verre dans la gueule et ça te met un stress de ouf. Donc, attends, on peut pas l'attaquer là. On va lui faire une grenade. Ah oui, on peut faire une grenade sur les deux derniers. Ça, c'est bien. Voilà, comme ça, ils vont prendre du dot. Ça va les calmer un peu. Et là, on attaque les 3 premiers. Et en fait, on les rate. Un petit carreau d'arbalète. 11 de critique. Vous voyez, c'est niveau 1, les gars. Je suis en mode facile. Imaginez. Et pourtant, je connais un peu le jeu. Je fais pas tant d'erreurs. Ah, regardez. Ça, il a les full stress. Voilà, il a raté. Donc, il a pas résisté au stress. Et il commence à délirer. Eureka. Lorsqu'un héros ne peut plus supporter le stress, il souffre d'une affliction. Ceci se manifeste par des comportements particuliers, des changements de stats. Les afflictions durent jusqu'à ce que vous envoyez le héros en traitement en ville, comme je vous expliquais tout à l'heure, à moins que vous ne réussissiez à le ramener à 0 de stress durant la quête. Donc là, ça va être compliqué. Parce qu'il a plus beaucoup de vie. Si on le soigne, est-ce que ça... Non, ça ne fait rien du tout. Donc lui, il prend cher. Lui, on va faire l'attaque de zone aussi. Le rogue, là, il va mourir, là, il va mourir. Lorsqu'un héros tombe à 0 PV, il est en agonie. Dans cet état, ses stats subissent des malus, et tout nouveau dégât subi risque de le tuer. Éloignez-le pour qu'il ne soit plus à l'agonie. Donc lui, il est en PLS. S'il se refait toucher, il risque de mourir à tout moment. Lui, regardez, il s'est fait jeter dessus, une veine de stress qui rajoute. Voilà, ça va être compliqué. Donc là, c'est bon. Eux, ils vont mourir. Lui, est-ce qu'on peut l'attaquer, lui? Ça serait bien. Mais on le tue pas, dommage. Alors là, on peut soigner. On va soigner tout le groupe, hein, parce que on va pas faire le radé. On va soigner tout le monde. Un microbe qui en est de notre... Ah, il a... Vous voyez, il a râlé, il a pas voulu se faire soigner. Il a pas pris le soin. Pourtant, c'était un heal de groupe. Lui, il va attaquer tout le monde, là. Et voilà, 2 morts. C'est ça qu'on veut. Lui, voilà, tu peux l'attaquer, lui, c'est le tank. Vas-y. Y a pas de souci. Et lui... Non,
Lui, il va mourir. Non, il résiste, il résiste. Tu ne peux pas mourir, on a besoin de toi. Alors, là, il va falloir faire l'attaque de zone pour essayer... Ah non, parce qu'on peut, pas détruire les cadavres. Si, on peut les détruire, mais... Il y a deux cadavres qui gênent, et c'est pas tout le monde qui peut attaquer à l'arrière. Je crois qu'il a pas attaqué, là. Je crois que c'était à son tour, il a pas voulu attaquer. Donc voilà, il est boudeur, il a envie de rien faire. Ah, est-ce qu'il va mourir? Esquive, il est pas mort. Donc elle, lumière aveuglante. Ah, mais on peut pas le faire à l'arrière, comme ça. Bon, on va le faire... Attends, ou sinon on va soigner. On va soigner lui. Est-ce qu'il va accepter? Ouais. 5 de soins. Je n'abandonnerai jamais. Ah, il a perdu du stress, je crois. Agonie surmontée. Ah, il a surmonté son agonie. D'accord. Mais lui, il avait pas stressé, il avait juste l'agonie, d'accord. Ça l'a remis un peu de morale. Ça lui a remis un peu de morale. L'explosion toxique, c'est là. Et là, l'attaque de... Voilà, lui va mourir. L'archer, prochaine fois qu'il joue, il meurt. Faudrait tuer le temps. Et là, c'est bon. Ah non, il a raté. Bon, attends, on attaque avec toi. 16 de critique. Ouais, mais c'est ça qu'on veut voir, les gars. Donc, il a fait un critique, il a tué un mec. Vous voyez, il a eu un bonus. Il a perdu du stress. Tousser, étrangler, palper, pousser du doigt. Il dit n'importe quoi. Il change de place tout seul. Et il n'y a pas de problème. On va gagner ce donjon sans mort. On récupère des récompenses pour améliorer notre base. Là, il y a un coffre. Ah, je peux choisir qui ouvre le coffre, en fait. Alors, attends. On va faire ouvrir le tank. C'est toi qui vas l'ouvrir. Ok. Du stuff. Donc, c'est parfait. On clique sur quête accomplie. Et on a nos récompenses. Et là, il y a les stats. Qu'est-ce qu'ils ont gagné comme stats? Alors, ceux qui ont été en PLS, souvent, ils vont avoir des mauvais stats. Alors, elle, amour. En ville, fréquente uniquement la maison close pour déstresser. Bon, je vais vous montrer. Alors là, c'est l'abbaye. Ça sert à déstresser les persos. Là, je vais dans l'abbaye. Et là, il est utilisé. Donc là, c'est le cloître. C'est la méditation. Là, c'est prier. Et là, c'est la flagellation. C'est-à-dire que le mec, il se fait fouetter. Ok, donc, elle va à la maison close. Lui, on va le mettre là. Elle, vous voyez qu'elle a eu le debuff maison close. Donc, elle peut aller que là. Let's go. Pour que la cure se termine, il va falloir faire un donjon, en fait. Donc, il sera pas là. Donc, il va falloir recruter. Donc, voilà. Le jeu, ça se passe comme ça, les gars. C'est des attaques et de la gestion de héros pour envoyer d'autres, etc. Et vous voyez que là, j'ai terminé la première mission. Et il y en a d'autres. Ensuite, il y a les tanières. Ensuite, il y a les weeds, il y a les criques, etc. Donjon ténébreux. Donc, ça va être un perpétuel roulement entre les héros, de gestion, etc. Donc, c'est un jeu avec de l'investissement. Il faut connaître les mécaniques, mais sinon, il est pas mal. Si vous aimez réfléchir, vous aimez toujours essayer de vous dépasser et de voir la suite, ce jeu, il est top. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu, les gars. Profitez-en, il est gratuit. Merci d'avoir suivi et hasta la vista !